Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme eh bien l'épisode 1 de la saison était le peloton Heavy Heavy, cette fois-ci on va faire le peloton Heavy Medium, tout simplement parce que après le double Heavy, je pense que eh bien le peloton Heavy Medium est quand même vraiment très sympa à jouer, assez polyvalent. Et ben il peut permettre pas mal de choses tout en étant ben tout en permettant de carry plutôt assez hard comme on dit. Donc ben je vais vous présenter un peu les avantages et les inconvénients de ce peloton, sur quoi il faudrait que vous jouiez pour améliorer eh bien vos stats, votre winrate et tout le tralala. C'est quand même un des pelotons les plus utilisés par les bons joueurs avec le peloton Heavy TD. Sachant que après le nerf des meds, le peloton de meds russe totalement pété eh bien, a été laissé un peu de côté. Donc c'est un de ceux qui fonctionne le plus en ce moment. Parce qu'il permet justement d'avoir un Heavy qui peut tenir la ligne de front, le médium qui peut flanquer, et vice-versa, le médium qui tient les médiums en face et le Heavy qui peut travailler. Enfin, ça peut permettre pas mal de choses. Donc c'est ce que je vais un peu essayer de vous montrer dans cette vidéo. Donc grosso modo, les principes de base, on va dire, les stratégies de base bah, que j'utilise avec mes pelotons, c'est la première, bah, tout simplement le heavy qui tient la ligne heavy, le medium qui tient la ligne medium. Si le heavy est relativement peu blindé, eh bien il peut se permettre d'aller, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est pas une règle seulement pour le peloton heavy heavy. Ben, il peut se permettre d'apporter sa puissance de feu côté médium et vice versa. Si le médium, ben, si vous tombez dans une game avec un médium, donc votre peloton et 3 ou 4 médiums en face, ben, il serait peut-être judicieux de faire revenir le médium côté heavy si vous êtes un peu plus lourd, un peu plus lent, pour pouvoir enfoncer un peu plus rapidement les lignes adverses. Donc c'est vraiment assez situationnel, donc c'est un peu le principe de base. Vous pouvez vous servir du TPM du médium pour finir des chars plus rapidement. Vous pouvez vous servir du blindage du heavy pour encaisser pendant que le médium picore les côtés. Enfin, ça permet pas mal de choses. Donc je vais arrêter de blablater pour l'instant et vous montrer un peu quelques games pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec et ce que ça peut permettre en termes de stratégie, positionnement, etc. Donc première game sur port du Yamato, je suis avec Cody qui est dans son 50-120, moi je suis dans mon 5 Turion 7-1, pardon. On est avec Anto, Painted Black, des Kraken, donc c'est parfait. Première idée que j'ai, moi, c'est d'aller spotter. Vous avez vu, on a deux médiums, ils en ont pas. Donc ça va me permettre de donner pas mal d'informations bah, sur l'ennemi, tout simplement. Donc vous savez, je sais pas si vous la connaissez cette position, c'est la position sur la colline qui est juste derrière celle que je vais passer. Donc c'est avec ma tourelle, ça va me permettre de prendre pas mal d'infos tout en étant relativement safe. Donc c'est une des choses que vous pouvez faire en médium. Prendre de l'information en début de game, puis vous repositionner si besoin est. Donc voilà, c'est cette position de spot. Anto étant what the fuck, donc c'est parfait, ça va permettre d'avoir un bon tir de suppression. Donc voilà, premier tir qui est passé, deuxième tir, vous voyez là ma tourelle qui fait le taf. L'ennemi me focus, donc c'est parfait. Moi je prends juste l'info, je veux juste allumer les cibles. Derrière, Kurdi lui est avec son barillet, donc c'est parfait, il va pouvoir envoyer des grosses patates. Toutes les 25 secondes, c'est plutôt cool. On continue de les allumer, on prend pas trop de risques. Là pour l'instant, ça a l'air de tenir sur ma gauche, donc c'est parfait. Je continue. Voilà, bon, vous voyez le 704 qui se fait absolument oblitérer. Le SU-122-54 qui en prend pour son grade également. Donc on continue à prendre l'information. Il n'y a pas besoin de me repositionner pour l'instant. La ligne sur ma gauche a l'air de tenir. Donc vous avez vu Kurdi qui est pas forcément blindé et resté derrière pour apporter sa puissance de feu. Et là donc j'avais vu l'opportunité de placer un tir sur le VK 4502B. Bon, j'étais un peu gourmand, c'est un peu mon défaut. Donc là vous avez vu T32 qui a l'air de vouloir avancer. Il a une tourelle assez efficace. Donc nous on a nos TD Kurdi qui sont en train d'essayer de l'allumer. Donc pour l'instant rien.
Je vais peut-être essayer de me replacer, me repositionner en Eldahan. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, le 50-100 qui a l'air de vouloir également, eh bien, me foutre des dégâts. Donc là, je l'avais pas vu. En fait, je pensais qu'il avait reculé. C'est pour ça que je me suis fait un peu avoir. J'ai chargé la hache parce que vous savez que 50-100 est pas forcément blindé. On se recule. Là, pour l'instant, j'ai juste allumé la cible, donc le T32, je vais pas prendre de risque, on est à 2-2, la game est loin d'être gagnée, je suis plus qu'à un tiers de ma vie, donc vous avez vu, dès que j'ai vu que l'ennemi commençait à pousser, je me suis tout de suite repositionné pour bloquer l'ennemi. Là, j'attends tout simplement l'arrivée de mes alliés. Kirdi m'a dit qu'il allait flanquer parce qu'il m'a dit que le côté était clean. Donc lui se repositionne pour pouvoir voir des tirs de côté pendant que moi je tiens la ligne. Les rôles sont un peu inversés, mais avec ma tourelle je me fais pas trop de soucis, tandis que Kurdi aurait eu un peu de mal sans dépression et sans blindage à tenir cette ligne. Donc c'est vraiment, vous avez vu, jouer sur les qualités de son char, de ses chars. Donc là je veux absolument pas prendre de risque. Là vous avez vu le 50-120 est en train d'attendre que je tire. Parfait, l'IS-3,5 sorti, il reste T32-50-120. Kurdi va bientôt arriver en position et pouvoir commencer à travailler l'ennemi sur les côtés. Donc là moi je suis juste patient, on est à 4-2, il n'y a pas besoin de s'exposer. Donc l'IS-3 s'avance, c'est parfait. Il a beaucoup plus de HP que moi. Kurdi est en position, il commence à travailler le 50-120. Donc vous avez vu, ça fait excessivement mal. Donc vraiment là sur cette game, vous avez vu, prise d'information, tenir la ligne et ensuite patienter le temps que votre pote puisse flanquer tranquillement. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été la même chose, j'aurais très bien pu flanquer et Kurdi tenir, mais ça aurait été beaucoup moins efficace dans le sens où Kurdi n'a pas forcément énormément de blindage. Donc là, c'est juste du nettoyage, on va finir le SU tranquillement. Et voilà, donc là, vous avez vu, j'ai pas fait énormément de dégâts, j'ai juste allumé les cibles pour ma team. Donc là, c'est votre boulot en début de game en médium. Donc là, scout et éclaireur pour moi. Je finis premier en XP avec 1500 dégâts et vous savez pourquoi? 4500 dégâts de spot. Voilà ce que ça fait quand vous faites un spot efficace et que votre team est efficace à descendre l'équipe ennemie. Donc c'était vraiment pour vous montrer un peu le début de game que vous pouvez avoir vraiment. Si vous, jamais vous allumez des cibles et que l'ennemi, vos alliés n'arrivent pas à les tirer, c'est pas bien grave dans le sens où vous allez voir le mouvement de l'équipe ennemie, pardon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils se dirigent? Est-ce qu'ils se split ou pas? Enfin, ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations en début de game et c'est relativement crucial pour savoir ce que vous allez faire après. Donc là, j'ai eu de la chance. On avait Anto et Kurdi en fond de map qui snipaient et qui se sont bien gavés tous les deux. Donc c'était parfait. Je me faisais pas de soucis pour eux. C'est aussi pour ça que je suis resté assez longtemps à spotter parce que je savais que vous avez vu l'équipe ennemie allait se faire descendre littéralement. Quand ils allaient sortir et pointer le bout de leur nez. Donc maintenant on va passer à une deuxième game qui est aussi assez sympa, vous allez voir, c'est plutôt cool dans un autre style. Donc deuxième game, cette fois-ci c'est toujours avec Kurdi, toujours au même peloton, et cette fois-ci nous tombons sur Rockfield. Donc vous avez vu en face, ils ont deux petits Frenchies, ils ont un Mac, un peloton de VN qui est pas mauvais. Donc la game risque d'être assez compliquée. Donc là moi je vais aller comme d'habitude prendre l'information en première ligne et ensuite voir un peu comment ça se passe. Donc là aller au niveau du côté droit ça n'a pas forcément d'intérêt, ça en a rarement d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a dit à notre team pardon de venir à gauche. Donc là, petit buisson qui est assez sympa, vous pouvez tranquillement vous mettre en position de spot et bien voir ce qui peut arriver de ce côté-là. Donc vous avez vu, pardon, j'ai totalement oublié d'enregistrer le son du jeu, donc c'est pour ça que vous n'avez pas du tout de son en fond, donc c'était mon erreur. Donc là vous avez vu SU-122-54 qui va totalement YOLO, c'est ni son rôle ni sa position de se mettre en position aussi avancée. Donc là je pensais que la hache passerait
Sur le côté du 704, malheureusement, c'est pas le cas, donc je me fais spotter, donc c'est pas grave, on se remet en position. Là, Turdi a vu l'île Love essayer de passer, donc là, et voilà, ça c'est un peu le deuxième rôle que vous pouvez avoir dans un peloton heavy medium. Tout simplement, c'est de se mettre en position de première ligne et pouvoir travailler à deux avec un char qui a un reload un peu plus rapide et l'autre qui est un peu plus lent mais qui fait plus de dégâts. Donc c'est un peu ce que je fais. Turdi est en rechargement, donc là je tiens la ligne à sa place. Je me mets relativement safe, je prends pas de risque. Donc E75 Love Conqueror T541, donc ça fait pas mal de chars pour nous deux, donc c'est pour ça là je reste safe, je veux pas prendre forcément de risque pour l'instant, on est déjà à 0-1, j'ai envie de conserver mes HP, malheureusement là je bounce sur le bas de caisse du E75, ça arrive, c'est pas grave, on continue à tenir, Kurdi est bientôt rechargé, donc là malheureusement je me prends un tir du E75 dans mon côté de char, donc c'est pas grave, il a un rechargement qui est assez long, on lui en place dans son bas de caisse et on se remet en position d'attente. Le conquérant fait l'erreur de vouloir passer la crête, donc je le traque et Kurdi va pouvoir l'engager très très facilement. Deuxième tir qui passe et troisième, c'est moi qui vais le finir. Donc Kurdi qui a bien entamé ce petit conquérant. Donc là on n'est plus qu'à 3 contre 1, on passe un tir sur la tourelle du T541. Vous savez, le T541, si vous voulez choper, c'est sur les côtés, les joues de tourelle. On continue d'engager l'ennemi. Malheureusement, là, je bounce encore une fois. C'est pas grave. On n'a pas pris de dégâts en retour. On est encore cette fois-ci à 1-2. Ce que je comprends pas, ben, ce que vous devez ressentir et vivre en ce moment, ben, là, ils étaient à 5 contre 3 chars. Voilà, ça vous montre un peu le niveau des équipes. Nous, on s'est tapé le Terror, le MDLG, le peloton de VN, pendant que ben, l'équipe, on se demandait ce qu'elle faisait. Bon, c'est pas grave, donc je me fais Amorak, mais bon, fini le T30, on est à 3-3, on va essayer de placer un tir sur l'ISC si on peut, c'est parfait, on lui en met un, donc là. Sans surprise, notre ISI se fait ramasser. Kurdi est one shot. Je suis pas forcément très fringant et notre abruti de Rheinmetall Borsig s'était mis et a campé toute la game de l'autre côté de la map. Allez savoir pourquoi. Semblerait que ça n'a pas été très très utile. Donc là, notre première idée à tous les deux, au moment où on a vu l'IS tomber, ben, ça a été on se casse, on reste pas là, ils sont quatre, on est deux, notre Borsig est totalement inutile, donc on se casse et on va se remettre dans des positions un peu viables. Donc là, je me fais spotter par le T30 que je spot également, donc je vais certainement pas repiquer et prendre le risque de prendre tarif par le 704, le T30 ou l'IS6. Donc on va se remettre en position d'attente, on se met en position de spot. Là, vous avez vu à droite, il y a une petite position de hold-down, ça permet quand même d'avoir un minimum de couverture. Kurdi, lui, n'était pas spoté, on en place un sur 704. Donc Kurdi, lui, va se mettre dans une position de snipe. Mon objectif, là, c'est encore une fois de reprendre de l'information pour lui donner des angles de tir. Donc c'est pour ça que je reste relativement safe. J'essaye de spotter au moment où je sors, mais mon objectif, c'est de pas de dégâts, c'est l'objectif premier. Donc Rheinmetall qui n'a pas bougé depuis 5 minutes environ, donc ça vous laisse imaginer le niveau du joueur, mais bon, on va essayer de s'en servir du mieux qu'on peut, ce qui veut dire allumer des cibles et essayer de lui donner des cibles à tirer, vous savez, cliquer et voilà. Donc T30 qui finit Kurdi malheureusement. Bon, le niveau du camo du 50-120 est forcément pas super top. Donc on reste là, nous on veut pas prendre de risques, on essaye de spotter le 704 si on peut. Rheinmetall, bon bah ça fait 6 minutes, il n'a toujours pas bougé, on commence à être à court de temps, mais je veux certainement pas m'exposer pour rien. Donc voilà, le Rheinmetall a réussi à trouver son bouton de tir et allumer le T30. Donc c'est toujours ça. Là, on va essayer de traquer le 704 pour voir si le Rheinmetall a eu la bonne idée de blinder l'endroit où il était. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Là, on peut peut-être en replacer un sur le 704. C'est parfait, on le met one shot. Donc là, il reste plus que l'IS6 en fait qui est two shot pour moi. Donc c'est parfait. Mais les trois
Richard son one shot pour le Rheinmetall. Donc le T30 est spoté, là je vais pas prendre le risque de m'exposer, c'est pour ça vous savez il suffit qu'il tire en même temps que moi et ben la game serait perdue parce que Rheinmetall a pas l'air forcément très très aware. Donc je me remets en position, là j'essaye de voir si l'objet 704 a eu la bonne idée de flanquer en attendant, c'est pas le cas, donc on se remet en position, on attend. Le Rheinmetall dit à l'attaque, je sais pas pourquoi, parce qu'il a toujours pas bougé de sa position, donc ce genre de truc débile, enfin, vous... je vous laisse imaginer un peu la situation dans laquelle j'étais. Donc là, on spot l'IS-6 et le T30 qui essayent d'avancer. Moi, j'ai pas été spoté, je charge la je veux finir absolument le T30. Donc là, premier char fini, on est à 5-5. On va essayer de... Voilà, l'IS-6 a loupé, là c'est ma chance, donc je lui en place un. Je sais que j'ai un meilleur reload que lui, même si j'ai tiré une seconde après lui, donc on va pouvoir le finir tranquillement. Je peux me prendre un tir du 704 et pouvoir plier la game. Donc là j'hésite, HE ou APCR, je choisis l'APCR, je prends le temps de viser et je le finis à 0 seconde. Donc game vraiment très stressante, c'était limite une Kobanov, master pour moi, 3000 dégâts, j'ai pas fait beaucoup de dégâts pour une master, mais bon vous avez 8378 d'XP, Kurdi a fait le taf aussi, 5000, moi j'ai fait 1000 de spot, enfin vous avez vu une game où on a carry comme de gros porcs. Avec un Rheinmetall, bah je sais pas. Soit il était en train de dormir, je sais pas. Vraiment, c'était assez stressant et assez frustrant dans le sens où il aurait pu faire beaucoup plus. Il aurait pu me soulager de pas mal de pression s'il avait été un peu plus over. D'ailleurs, vous avez vu, c'est, bah il a placé un tir dans sa game. Donc ça vous laisse imaginer le niveau du gars. Donc c'était aussi sympa de croiser deux petits Frenchies dans cette game, c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez vu un peu le rôle que vous pouvez avoir. Donc tout d'abord, comme d'habitude, prendre de l'information, ensuite tenir la première ligne, la ligne de front avec votre pote en heavy qui lui peut encaisser un peu plus que vous. Ou là, dans l'occurrence, taper un peu plus fort que vous. Et ensuite, eh bien, au fil de l'eau, se servir. Donc forcément là c'était du barillet de Kurdi, donc de sa puissance de frappe pendant que moi je me servais de ma vision. C'est un peu ce que vous pouvez faire avec un peloton heavy medium et qui marche plutôt bien. Donc l'un qui regarde, enfin l'un qui est les yeux de l'autre et l'autre qui est le bras armé de l'un. Donc c'est plutôt sympa de les jouer comme ça permet pas mal de choses, de snipe et bah, vous servir de vos avantages par rapport à l'équipe ennemie. Donc sans trop prendre de risques. Donc on va passer tout de suite à la game suivante. Donc game suivante, cette fois-ci c'est en bâtière, donc je suis avec Kitty des Kraken. Bah, comme je vous montre pas forcément beaucoup de games en bâtière, c'était un peu l'occasion de vous montrer un peu ce que vous pouvez faire également en bâtière. Donc là on est en tier 6, je suis dans mon Fury, donc char premium américain. Vous devez probablement tous connaître le film, donc je vous passe un peu les détails. Et Titi est dans son KV1S, donc le Heavy Russe avec une patate à 400. Donc char totalement pété d'ailleurs, le KV1S, pendant que j'y suis. Là on décide d'aller côté gauche et je demande à Titi de m'accompagner parce que vous avez vu, ils ont deux meds et un light et on est en bâtière. Donc ça veut dire que s'il y a bien des tiers où c'est pas forcément très réfléchi, c'est celui-là. Donc ceux-là, pardon. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien vous faire rusher, vous faire sortir en tout début de game parce que l'idée leur est venue et qu'ils ont eu un char totalement isolé ou peu importe. Donc là c'est pour ça que j'ai demandé à Kitty de venir me soutenir au cas où. Donc voilà ce que je craignais. Un cher ennemi ben, qui est pas forcément très très vieux dans le jeu se prenne l'idée d'aller rusher donc mon char alors que je cherchais juste à prendre de l'information. Donc on finit le VK 2801 et ben, là vous avez vu VK 3001D, donc là ça va être parfait. Kitty est en train d'arriver sur site, il me demande de laisser passer ce que je fais et va pouvoir passer une belle praline au 3001D. Malheureusement moi je bounce le tir suivant, mais bon j'ai un rechargement qui est assez sympa, donc c'est parfait.
Donc là, on va pouvoir travailler tranquillement. Kitty apporte sa puissance de feu qui est pas négligeable et moi mon temps de rechargement qui est assez court, donc c'est parfait. Donc là, j'essaie d'avoir un tir sur le Shinobi, c'est parfait, j'en ai un. Le Nashorn, malheureusement, je ne l'ai pas et on va pouvoir avancer sur le 3001D, sachant que Kitty est là pour me soutenir, donc je me fais pas trop de soucis. Là-dessus, donc le 3001D malheureusement a avancé pile quand j'ai tiré. Là, le T1 Heavy qui présente son côté tourelle, c'est parfait. Ça va me permettre de continuer à l'engager. Le BDR, c'est la même chose. On continue de travailler. Kitty finit le 3001D. Moi, je continue d'engager. Malheureusement, je pounce sur le T1 Heavy. Je passe à la PCR pour essayer de passer. Malheureusement, ça ne passe pas également. Donc voilà, bon, puissance de feu d'un heavy côté médium, ça fait très 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 mal. Donc on est à 4-2. Le Shinobi a l'air de bien jouer. Il est encore bien fringant. Il se tape quand même le KV2 allié. Donc on continue d'engager le BDR. Ben, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc Kitty s'amuse avec les bâtières. Il reste plus que le Nashorn, donc le Shinobi a été éliminé, donc il reste plus que le Nashorn, on est à 6-1. Et on va pouvoir l'engager tranquillement. Hein. J'ai pas peur de perdre des HP, sachant qu'il me reste les 9 dixièmes de ma vie. Donc Kitty finit le petit Nashorn et à 4 tiges, je suis à 1. Donc c'est plutôt parfait. Vous avez vu ce que ça peut permettre au niveau un heavy qui va côté médium. Ça peut faire très très mal au niveau de puissance de feu. Donc là, il l'a fait parce qu'il avait la mobilité pour le faire. S'il avait été dans un sens, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc on va passer à la dernière game, encore une fois une petite game de bâtière. J'espère que vous apprécierez. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez du hautier, du bâtière. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Donc cette fois-ci, on tombe sur Himmelsdorf. Kitty est dans son KV2, moi donc Cromwell B. Donc game de tier 6 également, on est top tier. Vous avez vu, on a 4 med, l'ennemi en a 3 plus un light. Donc c'est pour ça qu'on demande à l'équipe alliée de venir avec nous côté médium. Donc moi, objectif, comme d'habitude, prendre l'information. Vous avez vu, le VK2801 est un UTB, donc un très bon clan, donc joueur à se débarrasser le plus rapidement possible. Titi, dans son KV2, peut faire un peu one shot n'importe quel med de l'équipe ennemie, donc c'est plutôt sympa. Moi, je vais prendre la petite position que j'affectionne pour prendre l'information au début de game. Bon, ça peut être à double tranchant. Vous pouvez vous faire rusher de ce côté-là. Donc, le T3485, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc, c'est parfait. On va pouvoir l'engager tranquillement. Il a l'air, non, il n'est pas AFK, donc c'est parfait. On lui passe un tir pour la route et ça fait déjà deux tirs en début de game, donc c'est plutôt sympa. Donc là, notre équipe a l'air d'arriver. Kitty est sur les lieux également, donc moi je vais prendre un peu large. Je vais pas me, j'ai pas envie de me faire de me faire spotter et descendre par les chars qui seraient à la traîne. Donc c'est bon, voilà. Premier char éliminé de la game par Kitty dans son KV2, donc ça fait assez mal. Donc là, on va pouvoir engager le Matilda 4 et ensuite se débrouiller avec l'ARL 44. Donc là, le Matilda est one shot, c'est parfait, on va pouvoir le finir. Et là, j'essaie de pas forcément prendre trop de dégâts en début de game. C'est pour ça que je suis excessivement prudent. Je suis passé à la PCR pour m'en occuper. Kitty est un peu derrière, donc vous savez qu'il y avait deux. C'est un très gros canon, mais c'est pas forcément une mobilité extra. Donc le VK2801 a l'air, ils s'en sont occupés. On est à 3-1. Le reste de l'équipe a l'air d'être de l'autre côté de la map, donc on va pouvoir s'occuper de l'ARL 44. Donc vous avez vu la précision du KV2, si vous n'envoyez pas assez de dissidents au goulag, eh bien votre tir ne touchera pas. Et bien sûr, en KV2, vous ne devez pas viser. Si vous visez, vous allez manquer. Donc petit tip sur le KV2. Donc l'ARL 44 est encerclé, il a le choix entre la peste ou le choléra, le gros alpha ou le gros reload. Donc on s'en occupe tranquillement et on va pouvoir s'occuper des trois chars qui restent. Donc je suis toujours full knife, qui était un peu bas, donc là je vais être un peu plus agressif. Je vois que l'équipe a l'air de plutôt bien se débrouiller contre le T34. Bon, le KV2 c'est le la T2 pardon, c'est une autre paire de manches.
Donc on va être agressif au possible et s'occuper du char le plus blindé si possible. Donc on va essayer de finir tout d'abord le T-34 qui est à 2 shots de la mort et ensuite s'occuper de la T2 tranquillement. Donc voilà, ça c'est fait, T-34 fini, on a la mobilité pour s'occuper du KV-1 aussi. Titi est pas encore sur place, il s'est occupé de délette le petit KV-1. Et on finit bah, avec la T2 qui a pas forcément la mobilité pour nous suivre. Donc AT2 de derrière, ça passe très bien à la paix, on s'en occupe tranquillement et Titi va arriver bah, forcément pour voler le kill comme à son habitude, j'ai envie de dire c'est un petit jeu encore entre nous. Donc voilà. 3 kills pour lui, 3 kills pour moi, un beau carré des familles, vous allez voir, il a fait le café, il est à 2005 je crois dans son KV2 et moi un peu moins, je dois être à 1005, voilà, je suis à 1005 et bah non, Kitty est à 2006 donc gros calibre forcément pour lui. Donc voilà, c'est tout pour les petites games, on va passer tout de suite au ralenti et bah, pour vous montrer un peu ce qu'il faut que vous fassiez un peu dans la game. Donc petit premier ralenti que j'ai souhaité vous montrer, donc c'est un peu le rôle, les rôles splittés, donc là je suis avec Fantôme, je suis dans mon IS-7, lui est dans son Léo, et j'ai remarqué que donc il y a un Léo qui a été spoté à ma gauche, et il y a des heavy qui essaient de passer par le bas, donc moi ce que je veux faire c'est tenir le plus longtemps possible contre ces heavy et ce Léo, tout simplement parce que bah, si le Léo n'est pas là, il n'est pas côté med et c'est autant de chars que Fantôme n'aura pas à gérer. Ça veut dire qu'ils sont en surnombre de son côté et que moi j'ai juste à tenir assez longtemps pour permettre à mes alliés sur le côté, vous voyez sur la mini-map, de s'occuper des chars qui sont sur le flanc et revenir après. Donc c'est ce que je fais avec le sang. Donc le sang est bien mal en point. Moi je me suis mis en soutien derrière lui, je le gêne pas, il peut avoir tous les mouvements qu'il veut. Là vous avez vu le Léo m'a shooté et là le sang ben, rest in peace on va dire et ben, avant de mourir il a la bonne idée de placer un tir. Donc moi je vais forcément me mettre en side scraping, je suis à 1 contre 3 donc je me fais pas trop d'illusions quant à mon sort. Mon objectif c'est soit de sortir des canons, soit de faire le plus de dégâts possible, en fait tenir le plus longtemps contre ces chars. Donc l'IS-7 bounce sur moi, j'essaye de lui en placer un en visant la track, c'est encore mieux. Donc là c'est parfait, il est one shot. L'IS-4 a l'air de vouloir se présenter, vous avez vu Fantôme, pardon, il n'était pas dans son Léo, il était dans son 4202. Je bounce encore l'IS-4, donc ça va pouvoir me permettre de finir tranquillement l'IS-7. Donc vous avez vu Fantôme est en train de faire le nettoyage avec les autres meds sur le côté. Donc là malheureusement l'IS-7 me place un tir, le Léo également. Donc moi je vais essayer de me mettre à couvert comme je peux derrière la carcasse du E100 et à couvert comme je peux du Léo. Je regarde où il est full live donc ça sert à rien. On va continuer d'engager le char bah, qui a le plus de HP. Donc c'est pour ça, là vous allez voir, bah, je suis plus que one shot, je vais me faire finir par le Léo. Mais ça leur a coûté très très cher, ça leur a coûté une bonne minute de leur temps et quasiment deux chars. Donc nous on a perdu le E100. Vous avez vu et l'IS-7, mais de l'autre côté, ils ont plus de med et vous savez que pour finir une game, le med est quand même le roi. Donc, on va passer maintenant tout de suite au prochain petit ralenti. Donc deuxième et dernier ralenti de la vidéo. Donc cette fois-ci, vous avez vu, je suis dans mon 215B, Fantôme est dans son T62A et j'ai choisi d'accompagner Emmett tout simplement parce qu'on avait eh bien 3 meds et moi j'étais pas forcément très blindé pour faire face à un peloton de 100, donc j'ai choisi de les accompagner. Vous allez voir ce que ça peut faire. Vous voyez là, j'ai clairement la mobilité, j'ai pas forcément la vitesse maximale, mais j'ai la mobilité pour les suivre et apporter ma puissance de feu. Vous savez, le canon du 215B est vraiment très bon. Donc là, on arrive sur ben, les heavy adverses qui, ben, comme prévu, sont passés par le haut de la map, par le côté heavy, et on arrive là pour faire un petit mouvement de feu croisé. Fantôme est passé par le haut, moi j'ai coupé parmi eux. Et vous allez voir, c'est un vrai carnage. Donc là, les E100 sont quand même encore très fringants. Il reste des chars one shot. On est à 3-2, donc rien n'est décidé. On est bientôt à 3-3 vu la vie de notre allié. Et là, vous avez vu, on commence à faire le feu croisé. Vous avez vu, les HP tombent un peu partout chez les rouges.
Notre IS-7, se fait sortir, mais bon, vous voyez là clairement, la game est pliée tout simplement parce que on les a encerclés, ils sont en train de saigner des HP et on est en train de les ramasser un par un. Il reste plus que les E100 qui commencent à baisser en vie. Il reste un VK à 4502B. Donc forcément, on entame les E100. Et le life. Donc vous voyez le dernier E100, on l'a gardé pour la fin tout simplement parce qu'il avait le plus de HP et que important était de sortir les canons. Donc là on est déjà à 5-3, vous avez vu c'est descendu extrêmement vite et c'est du vitesse divisé par 2. On est déjà à 6-3 et vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. Je vous passe un peu la suite. Vous voyez un peu ce que vous pouvez faire en étant dans un heavy un peu mobile avec un gros canon, gros rechargement. Donc c'est assez sympa de pouvoir accompagner Ahmed, apporter sa puissance de feu et faire ce mouvement de flanc qui fait vraiment vraiment très mal quand c'est bien exécuté. Donc j'ai eu l'occasion de le faire hier d'ailleurs avec un type 62 qui était très sympa d'ailleurs. On est tombé deux fois ensemble et je peux vous assurer que un flanking bien réalisé, ça peut faire très 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 mal même avec des chars peu blindés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé un peu sur le rôle du peloton Heavy Med, enfin de chaque char dans ce peloton. Donc le Heavy, pour résumer, tient la première ligne, peut servir aussi de point d'appui pour le med, il peut aussi accompagner les meds dans un mouvement. Le médium dans son rôle en début de game, en tout cas prendre de l'information si possible, et ensuite se repositionner soit en soutien des heavy, soit tout simplement en faisant un mouvement de flanking. Dans le cas où les nombres de chars seraient déséquilibrés, trop de heavy chez ennemi ou trop de med, bah, suivant le tel ou tel cas, accompagner la proportion la plus grande, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, ce qu'il faudrait améliorer, etc. Je suis toujours preneur, surtout que là on vient de débuter, donc c'est le moment ou jamais pour apporter des améliorations. On se retrouvera très bientôt pour une petite vidéo en Dracula, pardon. Oui, je sais, char totalement pété, mais bon, la game était intéressante, donc je souhaitais vous la montrer, donc ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt.